savons que la population dans le monde augmente d'année en année et qu'en Afrique nous avons des difficultés pour atteindre notre suffisance alimentaire. La population africaine est la population la plus jeune dans le monde et cette jeunesse a besoin d'une bonne alimentation pour pouvoir se développer. En Afrique, particulièrement au Sénégal, nous avons une surpopulation en ville, donc en milieu urbain, et il est difficile de trouver des espaces libres pour y pratiquer de l'agriculture. C'est dans ce contexte que nous avons développé ce projet dénommé Toluke, qui est un projet de micro-jardinage intelligent qui permettra à tout un chacun d'effectuer de l'agriculture chez soi et les utilisateurs n'auront pas besoin d'avoir tant de connaissances en technologie pour pouvoir utiliser ces dispositifs. Le projet Toluke est un système d'arrosage informatique à distance. Nous avons conçu une application qui nous permet d'avoir des informations relatives aux plantes. Parmi ces informations, on peut en avoir la température, l'humidité, l'humidité sol et la lumière. J'ai eu à travailler dans ce projet en tout ce qui concerne la partie électronique. Donc, au niveau de la carte électronique, j'ai intégré tout ce qui est capteur de température, capteur d'humidité sol et capteur de lumière. Et tout cela est alimenté grâce aux panneaux solaires. Donc, on a mis en place un système dénommé LoRa qui va recevoir toutes ces données-là et l'envoyer au niveau du serveur via radiocommunication. Dans ce projet, je gère la réalisation du boîtier en utilisant la CNC pour faire la découpage du bois, les différentes faces, ensuite utiliser la découpeuse laser pour faire la gravure et enfin faire l'assemblage.